Salut les internautatrices, salut les internautateurs, bienvenue dans cette Trictrac TV spéciale conceptuelle avec la présentation du jeu Concept, comment ça marche. Alors Concept, comment ça marche, j'aurais pu vous l'expliquer parce que moi c'est une espèce de petit coup de cœur que j'ai eu. Mais comme on a décidé de faire les choses en grand, j'ai décidé d'avoir des invités absolument exceptionnels avec moi pour vous le présenter. À commencer par Monsieur Cédric, Bonjour pour Monsieur mon de Mops. Reproprod, puisque c'est un jeu Reproprod. C'est pas facile à dire. Reproprod. Oui. C'est marrant, ton collègue aussi, il a du mal à le dire vite. Reproprod, Oui. ouais, Reproprod, on dit Repropro, nous, chez nous, mais... Et donc, c'est vous qui sortez ça. C'est un jeu de Alain Rivollet et Gaëtan Bojano. Comme celui qui a travaillé le plus des deux n'était pas là, disponible, on a pris l'autre, à savoir Gaëtan Bojano. Bonjour Gaëtan, bienvenue, puisque, Bonjour. alors, toi, on le dit aux gens, tu es un peu un voisin. Et oui. Voilà, il se trouve que c'était un hasard sur ce produit-là. Et puis, celle sans qui on n'aurait rien, absolument rien pu faire, c'est Madame Anne, qui vient pour représenter les éditions Reproprod aussi, puisque voilà, vous avez décidé d'embaucher des gens au physique plus agréable que le tien. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pour présenter ça. Donc, concept, on répète. Alain Rivollet, Gaëtan Bojano, Repoprod. Ça se joue à combien? C'est marqué où ça? Devant. Alors, c'est marqué C'est devant, marqué mais devant. c'est purement indicatif. Parce que là, on te 10 dit, ans et plus. oui. Ça, c'est indicatif. Écoute, tu peux y jouer avec des enfants plus jeunes. Bon, 4 à 12, ça, c'est indicatif. Non, parce que tu peux y jouer beaucoup plus nombreux. D'accord. Donc, oui, tu veux dire. Non, ce n'est pas indicatif. C'est D'accord. 12 et plus. 40 minutes. Ce n'est pas indicatif, C'est tu pas peux y indicatif. jouer moins ou plus longtemps. D'accord. Bon, tu disais avant qu'on commence à tourner cette vidéo que il fallait qu'on parle bien de cette notion de concept. Oui, parce que concept n'est pas un jeu. Ça, c'est pas un jeu. Donc Non, voilà, c'est notre première Trictrac TV qu'on fait sur c'est pas un jeu. ce n'est pas un Alors, ça a jeu. été fait par des auteurs de jeux, par contre. Oui. Bon. Ça a été édité par un éditeur de jeux. Aussi. Voilà, c'est présenté par des professionnels du jeu. Certainement. Ça ressemble à un jeu. Ça a le goût d'un Ça a le jeu. goût d'un jeu. Et Ce n'est pas pourtant. un jeu. Bon, regardez cette boîte-là. Ça, c'est un prototype. Ça veut dire qu'au moment où nous tournons ces images, vous êtes avec nous. Le matériel, à part les petits Oui, pions qu'on va revenir dessus ça a tout à été l'heure, fait. voilà, tout ça, c'est que du prototype fabriqué par les petites mains De petits Allemands. de petits Allemands. Oui. Donc c'est à l'heure actuelle dans les rotatives, sauf les pions-pions qui eux ne sont pas faits en Europe et qui eux sont déjà Avant arrivés. que j'oublie, ça sortira quand dans le Ça monde? sort pour le salon de Ça Essen, sort donc pour toute Essen fin octobre, 2013, oui. octobre 2013, donc. Ça coûtera combien? On le dit tout de Je suite, hein, on se pense démarre. qu'on est aux alentours de 29,90 €, 29,90 €, pardon, D'accord. donc moins de 30 euros, Moins de quoi. 30 euros. Je range la petite boîte par le devers lui, si j'ai de la place. Oh là, c'est encombré, je ne sais pas qui a tourné des vidéos ici avant, mais c'est un bazar. Bon, et nous avons déjà fait une mise en place, avant de commencer, où vous voyez un plateau de jeu principal, avec des petites cases, très mystérieux, des aides de jeu, Deux. en couleur, deux, qui reprennent les petites cases, des cartes, plein, des règles de jeu. Ça, c'est les règles du jeu. Alors, Alors, les règles sont très très légères. En fait, il y a beaucoup beaucoup d'exemples là. regardez, ça, c'est la première page des règles, les deux pages intérieures des règles, la dernière page des règles. Vous n'avez que des dessins, quasiment aucun texte. Il y a un petit carré jaune de précision. Donc, je ne sais même pas pourquoi vous êtes venu à temps pour présenter ça, parce que ça a l'air d'une simplicité. Mais on pourrait y aller maintenant et puis on gagnerait tous notre temps. Bon, écoutez, vous nous expliquez qu'est-ce qui se passe-t-il, qu'est-ce qu'on fait dans ce non-jeu? Alors, ben, voilà. Concept. Donc, plus Pourquoi besoin de est-ce qu'on dit que ça? c'est un Hein, non-jeu? ça Oh, on va. s'en fout, Bon. on va expliquer. En fait, c'est un jeu où on va essayer par équipe, c'est très important, ça se joue par équipe, Ah, d'où on la va présence de essayer tous en ces gens. équipe de faire deviner aux autres équipes qui sont autour de la table, enfin aux autres personnes, parce que là, c'est les personnes qui devinent, ce sont les équipes qui font deviner, des concepts. D'accord. C'est Alors, donc pourquoi on un dit que... non-jeu de Alors, communication. voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un non-jeu? Parce que une personne peut quitter la partie à un certain moment, une autre peut arriver, le groupe peut s'agrandir, peut rétrécir, on peut jouer une partie en quelques minutes ou alors se prendre un peu la tête sur un concept un peu plus touffu et y passer un peu plus de temps. Et voilà, donc on n'est pas vraiment dans un jeu qui a une durée définie, qui a un nombre de joueurs défini. Vous brisez tous C'est, les codes on ludiques, brise quoi. tous les codes. Et en fait, ça a été un Vous êtes des gros... rebelles Ah carrément. ouais, nous on est des rebelles. Vive à la révolution! Voilà.
Donc, c'est un non-jeu qui, à mon avis, sera cautionné par la Ligia. Je n'ai pas peur de Oui, le dire. mais il y a quand même des petits cubes, pas en bois, mais des petits cubes quand même. Le cube de Party Game est en plastique, monsieur. Le cube de Party Game est en plastique. On va montrer un petit peu les. Alors, vous allez nous raconter après à quoi ça sert. Il y a des petites choses comme ça, et vous allez voir, ce sont des petits pions qui ont été réalisés spécialement pour ça. Puis, donc, voilà, c'est les fameux petits cubes en plastique cristallin coloré. Qui sont pas les pions des joueurs, parce que comme c'est pas un jeu, hein, on est Non, ce d'accord, sont les les pions du joueurs, ce concept. sont les pions du concept. Bon, allez, en gros, comment ça se passe? Alors, Mais je me propose de quel est le faire mode un ou d'emploi? deux concepts et Ouais. après Gaëtan va peut-être, après tout c'est lui hein, l'auteur quand même, va peut-être embrayer avec un autre concept et on est parti. Donc, Alors, tu vois, c'est un jeu duquel on n'a pas besoin d'expliquer la règle. d'accord. Alors, par contre, j'ai quand même besoin des pions. Tu vois, Pardon. je vais vous expliquer la règle en Je vous reprends faisant les pions. jouer. Tu vois, D'accord. c'est relativement simple. On va voir ce qu'il fait. Il y a déjà un tas de cartes là, un Ceci, tas de cartes là. ce point d'interrogation vert, Oui. c'est ce que l'on cherche. Ah bah, il est là. Voilà, alors regarde. Alors, regarde maintenant ce que l'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est quoi? Alors, tu l'as mis à côté d'une case Voilà. qui représente un poulpe, un petit poussin, une coccinelle, un éléphant. Je dirais des animaux. On va chercher un animal. Donc là, ça veut dire qu'on Effectivement. cherche un animal. Alors regarde Mais maintenant. comment tu l'as décidé qu'on cherche un animal? Alors, normalement, je prends le nom sur une carte. Mais là, pour l'instant, je D'accord, t'explique le jeu. Après, on d'accord, va jouer pour du vrai. d'accord. Là, je fais un ou deux exemples pour qu'on intègre Donc là, la tu me dis, règle. la question, Alors, c'est un animal. quel Alors, regarde. animal, quoi? Hop. Je vais rajouter ça en passant bien devant la caméra. Hop. Un animal qui serait Ouais, jaune et noir, c'est ça? alors attends. Je rajoute d'autres trucs. Naturellement, quand J'ai vous déjà une avez une petite idée, idée, moi, quand vous là-dessus. avez une idée, vous pouvez vous exprimer. Alors, Alors, qu'est-ce que c'est que ça? ah, qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire en bas, petit, Oui. C'est-à-dire petit. petit Ça veut et. dire petit, qui vole. Le marsupilami. Alors, le marsupilami ne vole Ah, pas. mais c'est vrai, oui. Encore qu'on ne sait pas très bien. Hein. Il est capable de plein de trucs. Non, c'est une abeille, évidemment, que tu es en train Bien d'essayer de nous sûr, faire c'est une deviner. abeille. Et regarde, imagine. Alors, effectivement, c'est une abeille. On imagine que c'est ce que je voulais te faire deviner. Imagine que j'avais juste rajouté ça. Alors, ça, c'est une case dans laquelle il y a la télé. Oui. C'est Maya l'abeille, C'est Maya parce que l'abeille. c'est une abeille connue qui passe à la télé. Bravo, tu sais jouer à Bah, concept. bravo, bah, c'est très très bien. Je vais montrer à la caméra déportée de Monsieur Nod. Alors, on peut pas les voir toutes, mais sur la lettre de jeu, vous avez le récapitulatif de toutes les icônes qui se trouvent sur le plateau de jeu. Donc, en fait, sur ce plateau de jeu, et moi, c'est ça qui m'avait impressionné, c'est qu'il y a toutes les icônes qui permettent de raconter tout ce qui existe dans l'univers. Il y en a combien? 108, si je ne Il y dis en a pas de 108. bêtises. Alors D'accord. attends, sinon on peut Tu calculer et faire une multiplication. Hein. 4, 5, 6, 7, 8, Déjà, 9, 10, 11, 12, 13, on peut 14. voir qu'il y a des grandes catégories, parce que là, on peut Voilà, voir qu'il y regarde, a c'est les 4. couleurs qui sont ici. On peut voir qu'il 108, on y voit a des maintenant. formes en 3D, des formes en 2D. Donc là, si j'ai bien compris, c'est les concepts spatiaux, avec petit, Exactement. grand, large, en haut, en bas, sur soi-même. Et après, on en fait ce qu'on veut, après tout. Ça veut dire que certains. L'interprétation est totalement libre. Ça D'accord. peut très bien te servir à dire que c'est quelque chose qui tourne, Oui. ou tu peux t'en servir pour faire l'icône recyclage, en disant que le D'accord. produit serait bio Là, ou. on a les quatre éléments. Ouais. Là, c'est la météorologie, les matières. Oui. Là, c'est quoi? C'est les chiffres, la quantité, Alors là, ça veut le. dire quelque chose en plusieurs parties qui pourrait être pulvérulent. Si je vais faire deviner de la farine, par exemple, je vais peut-être Ouais, plutôt aller là. d'accord. Ça, Ça c'est veut dire une partie 2. à l'intérieur. Ça, c'est Toi. quoi, par exemple, la grille? C'est une grille ou prison D'accord. ou réseau. Le lièvre et la tortue, c'est un petit symbole, un petit clin d'œil à un jeu d'antan. Ou ça pourrait être lent rapide. Ça peut aussi être lent rapide. Jeune vieux, là-haut. Personnage historique, ça, c'est ça? Alors, il y a quelques icônes qui méritent d'être expliquées Oui. pour simplifier. Ici, c'est un objet, hein, le carton avec l'inter point d'interrogation. Ça, c'est réel et ça, c'est fictif. D'accord. Voilà. Donc, si j'avais voulu faire C'est deviner le tout ce marsupilami qu'il y tout a à à définir l'heure, j'aurais écrit dit que sur c'était un animal fictif. le. D'accord. Et le reste coule relativement de source. Ça, c'est pour titre ou marque. D'accord. Et le restant, bah, qui est en rapport avec l'argent, avec la religion, avec le pouvoir, avec les sciences, etc., etc. Je pense que le reste est relativement clair. Bon, on a compris. Donc, à partir de ça, on peut faire deviner
N'importe quoi. N'importe quoi. Je dis ça parce que j'ai eu la chance de tester des pré-prototypes lors de différentes réunions un peu louches avec plein de joueurs et de plein d'auteurs. Et effectivement, la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'avec ça, on peut vraiment faire deviner n'importe quoi? Je crois que oui. Moi, j'ai essayé des trucs vraiment chelous et c'est possible. C'est-à-dire que même l'être et le néant de Jean-Paul Sartre, vous pouvez le faire deviner que ça. Il faut juste que les gens d'en face aient un petit peu quand même un référent. Et c'est là qu'interviennent les cartes. Plutôt que de partir dans tous les sens, vous avez donc déterminé un ensemble de choses à faire deviner. Et si vous êtes malin, vous les avez mis par ordre de difficulté. Eh bien, ça écoute, je vais peut-être laisser Gaëtan s'exprimer sur la question, parce que je vais lui passer la parole. Je prends une carte au hasard, complètement, et je vais la montrer. Je reprends ma petite tête de jeu, ici. Et on voit que ces cartes sont... Il y a 9 propositions dessus, avec 3 couleurs différentes et 3 chiffres. Donc, 3 catégories différentes, facile, complexe et challenge. Challenge. Donc, le challenge, c'est la partie noire, donc c'est vraiment plus ardu. Alors là, on a quoi? Par exemple, en facile, j'ai château d'eau, cahier, éolienne. L'autre, c'est quoi? La rouge, c'est plus ardu. Enfin, ardu, c'est, d'accord. C'est... Bruce Lee, batterie, Diablo. Ah, il y a deux, c'est culture générale. Voilà, ouais, très vaste, vraiment, ça touche vraiment tout le monde. Et le challenge, c'est Ennio Morricone, Jean-Pierre Pernaut et Jim Carrey. D'accord. Là encore, ça va, c'est des personnages, mais on peut aller sur des systèmes. Comme là-dessus, on a, par exemple, avoir la gueule de bois, donc pour avoir des expressions, ça peut commencer déjà à avoir... Ah, il y a des expressions aussi, d'accord. Enfin, ça, c'est plutôt une tension. Donc, mais... expression. Ouais. En fait, quand on veut faire deviner quelque chose, on dit, voilà, par ici, je vous fais deviner une expression. Donc, celui-là, je ne l'avais pas expliqué. Je m'en excuse. Ce pion-là, c'est le pion, interrogation, c'est le sujet principal. C'est ce que l'on cherche. C'est le concept principal. Voilà. Tout ce qui est de la couleur, là, c'est ce qui est relié à ce concept principal. Tout à fait. Et après, tu pourrais très bien le décliner. Alors, peut-être l'exemple, justement, prenons l'exemple. On va prendre celui-là. Donc, justement, je vais le mettre devant la caméra. Ça va être le deuxième rouge. Donc, j'espère que tout le monde l'a bien vu. Bah, pas moi, toi, non. Tu peux regarder. Toi, ah, c'est je peux regarder, non. Voilà. Donc, je ne vais pas te le montrer. Donc, on pourrait le voir par équipe. Donc, c'est bien ça. Et le meilleur exemple, c'est de dire... Bon, là, on pourrait très bien le faire sans sous-concept. Mais imaginons que je fasse ceci. Alors, tu nous mets télévision. Ça, c'est jeu. C'est certainement donc, un jeu télé qu'on cherche. Un jeu télévisé. Parce que la façon dont tu les prends, le timing compte aussi. Ça peut avoir ça a vraiment une importance par moment. Après, ça dépend toujours un peu la manière de travailler, de concevoir justement des gens. Et ça peut vraiment avoir un impact. Donc, après la suite, j'aurais tendance à dire... C'est pas pyramide. Un jeu télé où il y a quelque chose de rond. Oui, c'est pas pyramide. Le juste prix. J'ai trouvé. Non, la roue de la fortune. Voilà. Donc l'idée, c'est d'arriver à travailler un concept de base. On va dire c'est le jeu. Après, l'idée, c'est de faire deviner un autre concept. Alors, on va roue de la fortune. Là, tu nous fais deviner événement télévisé. Tout à fait. Jeu. Donc jeu télévisé. Tout à fait. Là, si tu mettrais que ça, roue. Alors peut-être roue, cercle. Voilà. On sait l'idée, pas c'est d'avoir un terme générique. Et pognon, argent. Tout et tu en mets plusieurs. Pourquoi tu en mets plusieurs? Parce que justement, l'idée, c'est que là, tu peux avec la multitude. Tu as deux manières de représenter la multitude, c'est-à-dire tu utilises beaucoup de cubes et tu le mets comme ça, ou tu peux avoir beaucoup d'éléments. Donc, un peu, ça va vraiment être selon les joueurs, selon les habitudes qu'ils vont jouer. On va avoir un peu comme un time's up, en fait, des habitudes de jeu et d'utilisation. La roue de la pièce, la roue de l'argent, la roue de la fortune. Très bien, ça marche, ça fonctionne, non? Bon, je vous propose qu'on fasse... Alors, parce qu'on n'a pas expliqué, parce que ça sert à quoi de faire ça? Parce que là, on rigole, mais il n'y a pas des points, un peu. Il y a pas des... Il y a des gagnants, il y a des perdants. Comment ça marche? Les points. Les points. L'éternel, vas-y. L'éternelle question. Alors, en même temps, ce n'est pas un jeu, on s'en fout. Hein, mais non, en fait, voilà. Mais ce n'est pas un jeu, on s'en fout. Tant et si bien que dans les règles, on a mis en optionnel le fait de pouvoir jouer avec des points. Ah oui, carrément. Mmh. Vous allez jusqu'au bout. C'est-à-dire, si vous voulez jouer avec des points, voici la règle pour marquer des points. D'accord. Sachez que nous, on joue pour le plaisir intellectuel, c'est un concept. Hein, mais ici aussi, on joue comme ça. Voilà. Donc, si on voulait jouer avec des points, on imagine que Gaëtan, qui jouait en équipe, parce que normalement, on joue en équipe. Hein. Gaëtan a fait deviner tout seul, mais normalement, Gaëtan et Anne auraient joué ensemble. Ils auraient marqué un point chacun, une petite ampoule. Ah, il y a quand même ces petites ampoules. Et toi, qui as trouvé la roue de la fortune, tu aurais marqué une double ampoule. Tu avais trouvé avant moi, tu m'as laissé le... Oui, mais c'est toi qui reçois aujourd'hui, donc... On est en un équipe. Peu de décence. On est en équipe. Tiens, je vais t'enfiler la moitié.
Bon, je rappelle que c'est un prototype, alors ne le déchire pas, c'est long à faire. Bon, moi je propose qu'on fasse une petite partie avec des points quand même pour... Ouais, allons-y. Hein, allons-y. On fait les équipes comment alors finalement, on garde comme ça? Je pense que pour les caméras, c'est mieux d'être côte à côte, peut-être pour montrer notre carte. Nous de côté là, et puis... Donc vous êtes ensemble? Non, c'est ça? Non, on a dit comme ça, là. Non, parce que les caméras, si tu veux absolument jouer avec Anne, on va pas t'empêcher. Tu veux qu'on change de place? Non, mais j'ai compris, je viendrai plus. Ouais, vas-y, joue avec Anne. Bon, je vais jouer avec Cédric Chouette. Vous attaquez? Vous commencez? Alors, vous pouvez montrer à la caméra. Alors, vous choisissez, on décide. Alors, en fait, il y a plusieurs niveaux de difficulté sur la carte. Facile, moyen ou difficile. On joue avec le niveau que l'on veut, vu que... Il n'y a pas de point d'avantage. On commence avec les faciles, on fait une progression pour montrer. Oui. Ok. Hein? Donc là, on va essayer de le montrer à la caméra. Une progression? Oui, on commence par les faciles et puis après, on se fait chacun des faciles. Ah, on se fait chacun du... Facile, je pense, avec les enfants. C'est notre idée. Tu veux qu'on le montre à la caméra en même temps? Montrez-le, nous on ne va pas regarder. On ne regarde pas la caméra. On ne regarde pas la caméra. Il est où le moniteur là? Je ne sais pas. C'est ça? Dis-moi, c'est quoi ça? Ça bouge? Ça existe, cette carte? Je te laisse commencer. Parti. Donc on va commenter oralement. Alors, c'est un jeu où on peut faire des propositions à la volée, à la criée. Parce qu'on parle de concept, ça c'est un concept qui me plaît beaucoup. J'aimerais au contraire que tu nous commentes non oralement. Ok. je peux le faire en mime aussi. Non, merci. Oh, j'ai imaginé des trucs pires. On va chercher un... On cherche un liquide. Et il est ? Un liquide qui se mange. Bien. Enfin, qui se boit peut-être. Ça risque pas d'être de l'acide, toi. Oui. Un liquide noir qui se boit. Du jus de zan. Ah. Qui a un titre. Ah non, titre ou marque? Marque rouge Coca-Cola. Voilà. Voilà. Ah, vous faites de la pub carrément. On est comme ça. Nous, on est comme ça. Placement de produits. Placement de produits. Bon, cela dit, là, c'était relativement facile. Alors, je me permets d'insister sur les niveaux de difficulté de la carte. Quand on joue en niveau bleu, on peut quasiment jouer avec des enfants sans trop de problèmes. Parce que c'est un peu comme pour Time's Up Family, on a essayé de reprendre plutôt des objets, des métiers, des choses faciles qui ne demandent pas un gros bagage culturel. Par contre, plus on va descendre, plus on va aller dans ce qui bastonne un peu. On n'a pas le chat de Schrödinger dans les premières... Je crois que ce n'est pas impossible qu'il soit dans le jeu, d'ailleurs. On ne sait pas s'ils ont fait mort ou vivant, donc c'est un peu difficile. Ah, voilà, ok. Donc nous, on a ça. Ah oui, c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je reprends. Oui. On a le droit, lorsqu'on pose les cubes, d'insister sur l'ordre dans lequel on les a posés. Par exemple, on peut... Je fais n'importe quoi, mais on peut rappeler... D'accord. En termes de communication, l'ordre dans lequel on les a posés. Tu imagines, on est un savant fou derrière la vitre d'un labo et on peut allumer des icônes pour que nos cobayes puissent trouver exemple, ce qu'on essaie de leur faire deviner. Je devais faire, par exemple, deviner Tutsi. J'aurais le droit de faire ça. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est même encouragé. Tu veux dire, voilà, on cherche un truc entre deux. D'accord. Voilà. Le jeu est à ta disposition. Ce n'est pas un jeu, c'est un concept. C'est vrai. À toi de l'exploiter. Alors, je vais regarder. Qu'on nous a là, je mets sur la caméra. Tu vois là. Quel numéro tu veux faire? Il y a des numéros pour que l'équipe puisse communiquer. On va prendre dans le bleu. Et le 1 me paraît bien. Le 1 me semble très bien. Tiens, je te laisse tirer le premier. C'est moi? Alors, je dirais ça donc. Tout à fait. Si on va plutôt mettre comme ça pour que nos partenaires aient plus facile à voir. Oui, ben c'est un concept, mais il y a un procédé quand même. Okay. On fait chacun notre tour, comme on veut. Ça peut être drôle en équipe de mettre chacun son tour, je le fais. Pourquoi tu mets ça là? Tiens, ça peut comme ça tout à l'heure. Il y a un peu du coca. Pourquoi elle part là-bas? Regarde ici. Oui, d'accord. Alors moi, je ne connais pas encore toutes les. Alors, c'est pour ça que tu as un rappel d'icônes pour t'aider. Pour les premières parties, le démarrage est un petit peu lent parce qu'il faut le temps d'appréhender un peu les icônes, même si elles ne sont pas très dures, elles sont nombreuses. D'accord. Et au bout de 2-3 concepts, ça vient très vite. Moi, je pense que tu... La petite maison dans la prairie. Voilà, c'est ça. Voilà. J'allais aller là. Voilà. La petite maison dans la prairie, en 3, tu vois. On cherche quelque chose de télé avec une petite maison. Mmh. Pas une maison petite. Donc, c'est bien la petite maison dans la prairie. Félicitations, tu as marqué 2 points. Regarde, on a un point chacun. Travailler on équipe. A un point chacun, ouais. Cool. Alors, je rappelle qu'en fait, les points, on s'en fout. Voilà. On passe maintenant à la... Allez, on est capable de monter d'un degré dans la difficulté. Passons au niveau ardu. Alors, une partie se fait en une quinzaine de cartes, normalement, si on veut un temps fixe de partie.
Mais après, il n'est pas rare que pendant les tests, on posait le jeu sur une table. On fait souvent des week-end jeux, des sessions jeux. C'est ce qui m'est arrivé. On pose le jeu sur une table à 10h du soir et à 4h du mat, on est obligé de se battre avec les gens pour le reprendre. Et les gens qui sont en train de jouer ne sont pas les mêmes que ceux du début. C'est ça, voilà. Parce que les groupes restent, des gens reviennent et les joueurs cyclent autour j'atteste, du jeu. Parce que moi, j'ai fait ça, j'ai joué très longtemps et avec que des gens différents qui venaient, qui partaient, qui venaient, qui partaient. C'était pas un jeu, c'est un concept. Et ça, c'est génial. C'est vrai que tu poses la. Dans les salons, dans les week-ends, c'est vrai. Le jeu est tout le temps ouvert. Et en fait, on voit que la table, elle se vide jamais, mais tu n'as jamais les mêmes personnes. Et ça, c'est. Je crois que la première fois que je l'ai aperçu, ça devait être à Cannes en 2012. C'est un projet qu'on a travaillé quand même depuis pas mal de temps. Il y a eu beaucoup de boulot. Il y a eu un gros travail sur les icônes, donc beaucoup de parties dessus. J'imagine. Qui a été au graphisme ? Alors, c'est une production interne chez nous qui a été faite par nos trois graphistes. Donc, on peut les citer, ça va leur faire plaisir. Sûr, donc, il y a Eric Azaguri qui a beaucoup bossé dessus. D'accord, Eric. Bravo. Voilà, mais ce n'est pas le Eric. C'est le Eric Court. Tu t'arrangeras Eric avec lui, d'ailleurs. Il y en a un qui a des cheveux longs et des cheveux courts. On a Cédric Chevalier qui a travaillé dessus aussi. Bravo. Et on a Alexis Van Mierbeek qui a aussi travaillé dessus. Alors, chez Roupo Productions, maintenant, on est pas loin de 11 personnes. Oh la vache. Ah, comme tu dis. C'est plus du concept, par contre. Ah non, c'est plus du concept. Il y a une certaine réalité derrière. Mais c'est que ça se passe bien. D'accord. Bon, allez, on continue. Vous êtes passé en mode ardu. Alors, cherche quelque chose de réel. Quelque chose de réel. Un scientifique. De réel, non. Vas-y. Parce que c'est réel. Ah, c'est un homme. Voilà, on cherche quelque chose de réel qui est un homme. Un personnage. Scientifique, certainement. Réel, scientifique. Allez, on balance des trucs comme ça. Ah, oui, vas-y. Ah, c'est pas Einstein. Ah, il a eu l'idée de quelque chose. C'est un inventeur. L'idée de quoi ? Ça, c'est un sous-concept qui vient d'être créé. Il a des hautes idées au point de vue de l'eau. Au point de vue de l'eau en haut. C'est ça ? De l'eau qui monte. Du ciel. De l'eau du... De la... Alors, ben là, ça va prendre plus de temps. Tu vois bon. Et là, on se dit... Ils sont mauvais. Ah quoi ? Non, on peut préciser. Un scientifique, alors, il réfléchit à l'eau en l'air. Celui qui a inventé le moteur à vapeur. Non, je crois qu'ils sont partis... Montgolfier. Il y a longtemps. Il y a longtemps. On parle de quelqu'un dans le passé. Ça, c'est le très, voilà. Très longtemps. Alors, une petite précision. Ceux Archimède. Qui font deviner... La poussée de l'eau. Tout corps plongé dans la poussée subie de la part de celui-ci. Oui. Une poussée verticale s'exerçant de bas en haut, proportionnelle à la longueur de cette phrase. Non, c'est pas ça. Non, la masse qu'il déplace. La masse au volume d'eau déplacé par ce volume. Plus c'est grand, plus ça flotte. On en sait quelque chose. Enfin, pas Anne, mais nous, on sait. Et donc, c'était Archimède. C'était Archimède. D'accord. Mais c'est bien vu, effectivement. Puis là, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, tout n'est pas donné d'un coup. Donc Alors, au point de vue du dialogue, ceux qui font deviner ont le droit de dire qu'une seule chose. Ils ont le droit de dire oui quand tu donnes un indice. Et tu dis, ça, c'est quelque chose d'il y a longtemps. Anne m'a répondu oui. Voilà. Oui, c'est le seul... Est-ce qu'ils ont le droit de moduler en faisant oui ou en faisant... Ouais, ben, c'est la comptable. Quand tu dis pas oui, c'est souvent non. Bon, écoute, c'est une notion à avoir dans la vie, sinon t'as des surprises. C'est un peu bizarre. Bon, à nous. À nous. Bon. On prend du, écoute, je te propose qu'on prenne du noir. Directement. Ben non, on a fait du ardu, on fait ardu, et on fait noir. Ah, on fera un final magnifique. Ok. Je te laisse choisir les 4, 5 ou 6. Écoute, moi je me dis que le 4 peut être un petit peu... Il y a moyen de le faire durer. Voilà, on va essayer de faire deviner le 4. Je tire le premier. Messieurs les Anglais, tirez en premier. Alors, regarde. On va chercher. D'accord. On va chercher. Tu me dis si je me trompe. Hein. Je pense que tu te trompes, parce que là, tu as mis réel. Alors, c'est là, pardon. Oui, c'est ça. Voilà. Et regarde, on met sur les cases pour bien voir les dessins. C'est vrai. Moi, j'ai toujours envie de mettre dessus, hein, pour sélectionner. Pouc. Ouais, alors, moi, je vais partir sur autre chose. On place comme on veut. Tu vois, je lance un concept rouge. Ouais. Tu lances un concept. Ouais, je fais ça. D'accord. Moi, je vais lancer un autre concept. Ça va m'amuser. Très bien. Très, très bien. Alors, attends, c'est du bleu. Tiens. Hop. Tu es d'accord ? Attends, regarde. Je vais même faire comme ça. Donc là, on a un concept et deux sous-concepts. Regarde. Ah oui, très bien. Et j'ajoute. Alors, ce qui serait bien, peut-être pour les spectateurs, voilà. Un enfant fictif. Oui. Ensuite, ok, donc là, on est d'accord. Tu as de la matière petite
Donc, qui est de la pierre. Oui. Pierre, caillou. Oui. Blanc. Oui. Le petit poussé. Mais oui. Le petit poussé. Dès qu'on le dit, en fait, sitôt qu'on commence à le dire et à l'initier. Voilà. Tu aurais été auteur de jeu, tu aurais su ça. C'est-à-dire qu'il faut, quand tu joues, il faut verbaliser de manière à ce que l'image se construise. En fait, je ne connais pas plus mauvais joueur à ce jeu-là que moi, en fait. En fait, il a fait ce jeu pour l'aider dans la vie. Alors, si on décompose le concept quand même pour les internotateurs, donc on avait effectivement un enfant fictif. On avait ici le titre, le nom. Dans le titre nom, il y a petit. Petit. Voilà, oui, peut-être ça va les aider. Et puis, il y a un minéral. Je suis parti sur un minéral qui est en. Il y en a plusieurs. Hein, il y a plusieurs. Ils sont petits et ils sont blancs. Ce sont les blancs. Petits cailloux blancs du petit poussé. Donc, un concept principal, deux sous-concepts. Bravo. Je vous félicite. Et les points, je rappelle, on s'en fout. On s'en fout. Voilà. Et la preuve, c'est que le coup précédent, on n'a pris aucun. Tu t'es même pas posé la question. Non, mais il me les a virés en même temps. C'est didactique, c'est très pratique. Pas sûr que tu les mérites. Il a dit que... Voilà. Bon. Donc là, on passe en noir. On est là. Alors, en noir, je rappelle, on peut tomber sur des expressions. Orange peut-être. Hein. Expression ne signifie pas forcément proverbe. Hein. Expression ne signifie pas proverbe. Non. Par exemple, « wesh, mec ». Voilà, voilà. Ouais. Go. Donc la il tombe des halbardes. Donc c'est pas un proverbe ça. Mais non, étrangement. Alors. Ladies and gentlemen, parti. Vas-y. On part sur. Ah, c'est donc une expression. On est dans l'expression justement. Et là, normalement, on répond. Alors, Pierre qui roule n'avance pas mousse. Voilà, la cruche à l'eau. Qu'à la fin, elle se casse. Ah. Une expression. Ah, il y a un titre maintenant. Hein. Qui était aussi titre... c'est un titre de film. Le cinéma, d'accord. La mort aux trousses. Il y a un rond jaune. C'est un anneau. Oui. C'est un anneau. Une expression avec le mot anneau. Ah, avec le mot bague. Passer la bague au doigt. Avec le mot bague, le mot anneau. C'est ça. Le mot bijou. Le seigneur des anneaux, mais... Oui. T'en va le seigneur des anneaux à l'autre. Attends, on cherche une expression avec le seigneur des anneaux. Mon précieux. Voilà. Ah, mon précieux. Ah oui, bien sûr. Ben oui. Ah oui, c'est une expression inventée. Ah ben oui, on n'est pas forcément dans du proverbe. D'accord. Eh oui, bien sûr. Voilà. Tu vois, déjà, moi j'étais coincé proverbe. Tu vois, non, mais j'ai cherché une expression qui revenait souvent dans le seigneur des anneaux. Et bien c'est sûr. Ça que je suis tombé dessus. Je précise quand même, pour les gens qui nous regardent, on n'a pas préparé cette partie. Non, rien du tout. C'est vraiment on prend une carte au hasard. Au hasard, comme ça. Voilà. Alors, on va se prendre un truc style Coronet de chez Coronet. Si tu veux du Coronet, c'est 9. 9 chiche. C'est Coronet, 9. Hein. Je vous la montre. Hein. Ah oui, oui. Bon. On avait le choix. Bon, 7, on s'excuse 8, pour 9. La durée de cette vidéo à venir. La 9. Alors déjà le placement de ça, ouais. C'est vachement important. Alors attends, moi je regarde ma petite tête pour le coup, là, parce que c'est plutôt par là qu'on cherchait au début. On va préciser quelque chose pendant que tu réfléchis un petit peu, c'est que tous ces concepts ont été tous testés et tous trouvés par plusieurs groupes de testeurs. Donc c'est là où il y a eu un énorme boulot de fait. Et donc, ne vous dites pas c'est impossible. Excellent. C'est ça. C'est une idée. Voilà, on cherche une idée. Ou un concept. Ah, justement, pour le coup. Un concept dans concept. Alors, je vais faire donc. Je vais essayer de faire ça. Justement. Regarde, très bien. Alors là, tu as l'idée groupe, famille qui est là. Ah, bah c'est ça. Ouais. Voilà. Bon, bah, l'idée sur le peuple. Voilà. Et regarde, et moi je rajoute ceci. La démocratie. Bravo. Bravo. Alors, félicitations. Ça, alors, là, tout est possible. Là, on voit qu'il y a... On a l'idée de plein de groupes de gens qui peuvent s'exprimer. Oui. C'est la démocratie. On arrive vraiment à tout faire, c'est ça qui est incroyable. Anecdote. Alors, oui. J'en profite pour lâcher une anecdote. Oui. Ce jeu a été présenté à l'international. Donc, on le présente à nos distributeurs dans tous les pays. Comment ça marche à l'international? On a été très surpris. Que tu peux tout faire deviner. Alors, on s'est retrouvé avec une table où il y avait des Allemands à table qui n'ont pas voulu lâcher la table, parce que normalement, tu présentes en une demi-heure, ils étaient là au bout de deux heures, ils continuaient dessus, et à la fin, ils étaient en train de faire deviner des actrices de porno allemandes. Bon, j'avoue que j'étais un petit peu incompétent, hein, mais eux, apparemment, ça les faisait beaucoup rire. Et après ça, on a eu une partie avec des Coréens.
Il faut savoir que les langages asiatiques, enfin les langues, les idéogrammes, ce sont des idéogrammes, idées exprimées souvent. Donc là, je suis pas expert. On pourrait dire que nous sommes en phase d'idéogramme quasiment. Et ben voilà, et ils ont adoré le jeu. Bien sûr. Tant et si bien qu'à la fin, ces gens se sont levés et ont applaudi Gaëtan. Ils l'ont salué chaudement. Et ça doit faire le kiki tout dur, ça, à mon avis. Ah, c'était vraiment bizarre à vivre. En fait. Ouais, c'est chouette. Ouais. Surtout qu'après, ces braves gens nous ont commandé plusieurs milliers de boîtes pour la Corée. Et donc, le jeu sort à l'international. Là, il sort en plein de langues simultanément. Alors, le jeu va sortir en Corée, il va sortir en Russie, il va sortir en France, Aux États-Unis. Il n'y a pas grand-chose à traduire. Il sort en allemand. Et je crois que pour l'instant, on est à 7 ou 8 langues. Au total. Quand même, d'accord. Pour le premier run. Voilà. Bien, et bien écoutez, moi, je vais vous souhaiter plein de bonnes choses avec ça, parce que moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant tout de suite. Donc effectivement, j'avais fait une news, moi, sur écran, sur Trick Track, qui disait que ce jeu allait sûrement être clivant. Donc je m'explique là-dessus, parce que c'est vrai que je ne suis pas sûr que tout le monde adhère automatiquement. Il faut quand même une certaine forme d'esprit assez organisé, on va dire. Parce que là, on est en train de... En gros, vous avez les concepts, il faut les démonter par petits bouts pour les reconstituer ensuite. C'est le principe du jeu, en fait. Bah, en fait, au début, on était parti sur du party game. Et on s'est rendu compte, avec les parties, les multiplications... C'est un party game. On avait même du temps. C'est-à-dire, on avait même un chrono, je ne sais pas si vous souvenez au début. Qui a tout ça, ça dégageait. Ouais. Et on s'est rendu compte, plus on jouait, plus les points disparaissaient naturellement. Le temps, on s'en moquait. Et on va dire, je me souviens d'un retour que tu avais fait par rapport au belgoludique, c'est qu'en fait compte, certains le voyaient... Belgoludique, on explique pour les gens qui nous écoutent. C'est pas faux. Allez, vas-y, c'est votre truc. C'est un week-end qu'on organise avec Thomas, donc Thomas mon associé, chez Robo Production, et Philippe Kayert. Philippe Kayert, le grand Philippe Kayert. Comics Small World. C'est un week-end que maintenant nous organisons, mais c'est le week-end où j'ai rencontré mon associé, tu vois, il y a quelques années, au belgoludique. Et donc, c'est un week-end jeu qui s'est transformé en 3 jours de jeu, puis 4 jours de jeu, puis 5 jours. Et maintenant, c'est une semaine de jeu. Ah, les belgoludiques, c'est une semaine de jeu. Où on s'est réunis à une soixantaine dans un gîte, et on passe 6 jours sans voir la lumière du soleil. Ah, ne jouer que des jeux. C'est très intensif. Il ne faut pas aimer dormir. Mais... Le cadre extérieur est super beau. Hein. Oui. Mais je pense qu'il est au milieu des forêts, ouais. Mais... Voilà. Ouais. Et donc, par rapport au belgoludique, le retour qu'on avait, c'était qu'il y en a qui se sont transformés ça en, on va dire, limite jeu d'enquête. C'était vraiment ça. Il y a quelque chose d'enquête là. Ouais, c'est ça qui est plaisant. C'était vraiment le jeu d'énigme. Et c'est vrai qu'en fait, on forme un rébus. C'est ça. Quasiment. Qui peut prendre plusieurs tournures. Tout à fait. Qui n'est pas juste. C'est pas syllabique, c'est pas. Longtemps, on a résumé le jeu en disant c'est le premier party game à base de cubes en bois. Bon, naturellement, les cubes sont en plastique, mais je pense qu'on va peut-être pouvoir réconcilier les cubes en bois et les parties gamers autour de donc ce jeu. Donc la partie gestion est un peu faible quand même. Hein, mais t'as des cubes de couleurs différentes. Oui, mais il y a peu de production, il y a peu de ressources. Regarde, t'as du bois, t'as du tissu, t'as du minerai. Est-ce qu'il y a du blé et du mouton? Je peux t'en faire. Bon, moi j'ai une petite question à poser sur l'histoire du jeu. Là, tu disais qu'il y avait une centaine d'icônes. 108, si 108, ma mémoire est bonne. Qui sont censées représenter tout ce qu'il faut pour raconter tout ce qu'il faut. Vous êtes parti sur combien au départ? Comment ça... Enfin, je veux dire, au moment où vous avez... Non, mais vous avez... voilà. L'idée de base. En fait, l'idée de base, ça a été. On était parti sur le Cro-Magnon, en fait. C'est le jeu de Roberto Fraga, édité chez Biovivia, où il y avait des mots dessus. Oui. L'idée, à un moment donné, c'est de dire, mais ça, ce serait bien de pouvoir avoir un tableau générique de discussion avec tout le monde. C'est-à-dire vraiment des extraterrestres qui débarquent, un peu, tu vois, rencontre du troisième type, et il nous faudrait un élément intermédiaire. Un peu, j'aurais tendance à le fameux tableau électronique du bonobo, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était Kanka ou Kinka, je ne me souviens plus son nom. Tableau électronique. En fait, il y a un bonobo qui a un tableau à la base de 300 icônes, et ces 300 icônes-là lui permettent d'échanger avec l'humain. Et l'idée, c'était d'avoir ça, c'était d'avoir un langage intermédiaire sans communiquer, quelle que soit la langue. Donc, parfait, l'exemple de Cédric. Moi, j'avais rapproché ça de la table des périodiques des éléments chimiques. Et bien, finalement, on arrive à ça. L'univers réduit à sa plus simple expression. C'est ça, voilà. Là, vous avez l'univers, en fait.
Et l'idée derrière, par contre, d'après Rivollet, Bougeanneau. Ouais, enfin, et aussi les professeurs Rivollet. Oui, parce qu'on a aussi Repoprod, parce qu'il y a énormément de boulot, parce que réellement. Oui, comment on en arrive là? C'était ma question, c'est-à-dire que. C'est 3 ans de boulot à tester, ouais. tester. Combien d'icônes au départ? Comment est-ce que vous les avez changées? Comment est-ce que vous avez vu que certaines, j'imagine que vous en avez vu certaines qui étaient inutiles, d'autres qui étaient indispensables. Comment ça s'est fait, très fort à certains moments. Il y a eu énormément d'allers-retours aussi avec les auteurs. Parce qu'au bout d'un moment, si on se retrouve avec un tableau avec 600 icônes, ça ne veut plus rien dire. Voilà. Ben, ça va surtout être très long à apprendre. Pour la première partie, tu vas avoir 600 icônes, tu vas dire « Ouh la vache, parce que ça va être grand comme la table ». Là, c'est vraiment réduit. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec ces icônes-là, on arrivait vraiment à tout faire deviner. On a dû sabrer des icônes, il y a des icônes qu'on a virées, parce qu'au fur et à mesure des parties, on s'est dit, voilà, cette icône-là, elle est utilisée dans 0,5% des cas, donc c'est qu'elle ne sert pas. Surtout qu'on peut la résumer de telle façon. Oui. Donc, hop, dans ce cas-là, on dégage. J'imagine que vous avez découvert que certains concepts qui étaient sous forme d'icônes, on pouvait les réaliser avec d'autres icônes, oui. en les combinant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas non plus tout résumé. C'est-à-dire que pendant tout un temps, on utilisait l'icône inverse, qui est là, inverse ou opposé. Et quand, au lieu de dire en haut, inverse, pour dire en bas, oui, bah, tu vois, comme ça, on n'avait plus besoin de l'icône en bas. Ah, on s'est rendu compte que ça devenait très contraignant et qu'on passait beaucoup de fois par l'icône inverse. Ça tout le temps, quoi. Et ça, voilà, et que ça, c'était un peu du bazar. Donc là, en termes d'ergonomie, on s'est dit, on va laisser l'icône en bas. Voilà. Mais pour plein d'autres icônes, là, on a vraiment dégagé les choses. Après. Fini. La recherche graphique autour de ces icônes, voilà, a été très importante. C'est-à-dire que des fois, on a redessiné les icônes. On a Eric chez nous qui, au début, avait tout dessiné à la main, qui dessine très, très bien. Oui. Et après, il y a eu des mises au propre. Et on s'est rendu compte qu'après la mise au propre, il y a des choses qui ne marchaient plus. Ah oui, mais attends, là, tu as viré, je ne sais pas, l'oiseau ou l'insecte. Donc, c'est devenu mammifère. Ça ne veut plus dire animal. Donc, il faut remettre une coccinelle. Ah oui, bien sûr. Voilà. Et donc, il y a une grosse recherche derrière comme ça. Et la plupart ont des doubles, triples sens. Sans compter qu'on peut les inventer, c'est-à-dire dans des cas particuliers, on peut se servir de l'image plutôt que de le. Je ne sais pas, moi, je n'ai pas d'idée, mais là, effectivement, la petite couronne, tu vois, pour parler. Ben, le meilleur exemple, c'est. Pour moi, ce n'est pas celui-là, c'est le meilleur exemple que tu l'avais fait, celui-là. Oui, tu connais le jeune Silicone, c'est celle-là. Et un jeu, je ne sais pas si tu te souviens, c'était parti, on avait Sombrero dans la carte. Ah oui. Et il y en a un qui arrive, boum, sur le logo. Et là, on s'est tous regardés en disant, qu'est-ce qu'il veut dire, Sombrero? Et en fait, voilà, c'est l'épreuve même, c'est que tu peux. Oui, en effet, détourner. En fait, le jeu, tu peux le faire tien, faire sien réellement, c'est ce que disait Cédric tout à l'heure, c'est que tu peux en faire, l'adapter à ta manière de communiquer. Et voilà, un peu comme je disais, comme Ties Up, où on voit que les gens ont des méthodes assez rapides, qu'on connaît ça bien à jouer ensemble, pour utiliser, entre guillemets, des mots ou autres. Là, c'est pareil. Il y aura des raccourcis naturels chez certaines personnes. Qui vont se créer. Tu pourras même faire une quatrième manche de Ties Up sur le plateau. Pourquoi pas? Oui, je pense qu'on peut faire aussi du méta-jeu. C'est-à-dire que si on sait que quelque chose a été deviné précédemment et qu'on veut servir de ça pour faire deviner autre chose, on peut recommencer le truc en faisant « Ah oui, là, c'était Zorro, ah oui, je me rappelle. » Et hop, on part sur autre chose. Tout à fait. C'est très, très riche. C'est des couches, quoi. On est super perché là. Je crois qu'on a fait le tour, c'est ça? Bon, ben voilà, vous savez tout. Je vais ressortir ma boîte. Donc, tu nous rappelles la date d'arrivée? Eh bien, fin octobre 2013, concept. Un jeu de Alain Rivollet. C'est un concept d'Alain Rivollet. Gaëtan Bougeanneau. Pour plein de gens. Plein. Voilà. On peut même jouer tout seul, mais c'est moins bien. On trouve facilement. Oui. À partir de 10 ans, mais là encore, c'est un concept. Oui, quand on joue avec des enfants, si on joue vraiment que avec le côté bleu, il y a moyen de jouer vraiment plus jeune. Oui. Mais dans ce cas-là, il profite 40 pas minutes. De la totalité du jeu. Mais ça aussi, c'est un concept. C'est variable, c'est relatif. Et voilà. Donc, on a dit combien? 30 d'euros. Vous pouvez l'acheter en Russie, vous pouvez l'acheter en Corée, si vous voulez. Et ben voilà, merci à vous d'être venu nous présenter cette petite merveille. Je peux ajouter une dernière chose? Une dernière chose, après on s'en va. Les points, on s'en fout. Les points, en plus, les points, on s'en fout, c'est un concept. Merci, merci à vous d'être venu, de nous avoir présenté, c'est une jolie petite chose. On espère la retrouver bientôt sous une forme moins conceptuelle et plus réaliste. On se retrouve dans une prochaine Trick Track TV. Merci de votre attention et à bientôt. Générique.